Salut tout le monde, on se retrouve pour un battle test de Dogun. Donc, suite à la demande d'une personne sur Smoke Future, donc très bon groupe sur Facebook. Et, je voulais savoir c'est avec quel goût donc le Pink Limonade. Donc je ne savais pas de quel Pink Limonade je parlais, du coup j'en ai testé deux. Donc une sur la gamme Social Smoke et une sur la gamme Fantasia. Donc on va attaquer direct, on va attaquer direct. Je vais commencer par Fantasia au niveau du packaging. Donc, belle boîte, hein, comme c'est une Fantasia, on a des assez belles boîtes. Clac. Voilà. Si tu veux voir. Donc, dessus, on voit quoi? On voit une coupelle de. Un cocktail, hein, une coupelle de. Je vois plus une grenadine, enfin. Une grenadine, je pense que c'est une grenadine, avec des citrons. Donc, voilà. Voilà, avec voilà, des citrons. Ça, je l'ai testé sur le Mia et sur la gamme Social Smoke. Bam. Ben, on voit quoi? On voit pareil. Hein. On dirait qu'ils ont fait les mêmes photos. Non, je déconne. Ils ont fait des citrons, hein, un peu de citron partout, avec une coupe, enfin, un verre de sirop, de quelque chose de rouge, donc grenadine, fraise, quelque chose comme ça. Voilà. On retourne sur Fantasia. De la coupe et puis de l'odeur, on va voir ça. Donc rouge, bien rouge, rouge sang au niveau du tabac. Je vais sentir ça pour vous dire un peu ce que ça donne. Voilà. Franchement, on a une très très bonne odeur. Franchement, moi j'apprécie cette odeur. Donc on a vraiment une odeur de fraise. Enfin, moi je sens plus la fraise et de citron. Vraiment bien dosé, mais vraiment pas un citron chimique, vraiment un bon goût de citron, quoi. Une belle odeur de citron plutôt. Donc voilà, franchement pas mal. Au niveau de la coupe, ben, elle est un peu similaire à celle du Alpha Care. Donc une coupe taille moyenne, bon, ça va. Tabac assez gras, voilà, c'est gras, assez juteux. Voilà, voilà. Donc c'est un tabac bien rouge. Je ressens parce que franchement, très bonne odeur. Franchement pas mal, pas mal. Sur le Social Smoke, on va voir ça, hop. Donc là, on est sur un tabac brun, donc comparable au Starbuzz. Un peu moins juteux, un peu gras, mais moins juteux que le Fantasia. Ensuite, à l'odeur, ça donne. Alors, c'est complètement différent du Fantasia, c'est vraiment différent, c'est pas les mêmes, enfin, c'est pas les mêmes odeurs, même si peut-être c'est le même. Enfin, c'est le même ingrédients, style fraise, citron, tout ça, mais ça n'a pas la même odeur. Là, je ressens plus une odeur plus présente du citron, celle de moins de fraises, enfin de fruits rouges, quoi. Elle est moins présente. Il y a vraiment cette odeur de citron qui ressort. On ressent plus une odeur de petite fraîcheur, une bonne odeur de limonade. Hein. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la coupe, quand je l'ai mis sur mon foyer, je trouve que voilà, elle est assez fine, ça va. Bon, je ne peux pas vous montrer là, mais bon, c'est une coupe assez fine. Donc voilà. Voilà. Donc il y en a une sur le Fantasia, c'est sur une boîte en carton. Donc c'est un petit sachet, un petit pack de 50 grammes. Sur le Social Smoke, c'est une boîte en plastique. Donc un petit seau en plastique. Je trouve que c'est plus pratique le seau en plastique. Donc pour le packaging, je dirais plus. Voilà, c'est pareil, hein, c'est égalité. Pour l'odeur, je préfère plus le Fantasia, c'est vraiment une plus bonne odeur, plus fruitée que le Social Smoke. Donc pour le battle test, on se retrouve sur deux chichas. Pour tester le Social Smoke, on est à voiture passe. Pardon. Pour tester le Social Smoke, Manucci, celle que j'affectionne, donc toujours avec la même config. Hein. Manche en aluminium, tuyau en silicone, chicha avec diffuseur, donc la Manucci 4.0. Le foyer ami silicone funnel et le canon. J'ai fait un test, si vous voulez voir, vous allez sur ma chaîne YouTube, sur le site où vous voulez, vous allez voir le test. Et puis voilà. Donc un bon produit pour 30 euros à voir sur le test. Pour le Fantasia, ben, sur le Mia QT Vento, chicha aussi que j'apprécie. Pour le tuyau, j'ai pris le tuyau Interlude de chez Kaya. Voilà. Et pour le foyer, c'est un foyer Vortex avec de la lune. Et deux Tomco Kocha Gold. Ici j'ai deux Tomco Kocha Gold pour le
cachard. Alors excusez-moi, mais en fait, je l'avais expliqué sur la précédente vidéo pour le canou. C'est des charbons qui ont un diamètre un peu plus petit. On peut en mettre plus dans le canou, donc voilà. Bon, pour la vento, je laisse les Tom Cococha gold. Voilà, voilà. Donc, on va tester tout ça. Hein. Je vais commencer par l'Ania. Donc, ça, je les ai allumés à peu près 10 minutes. Franchement, très bon goût de fraise avec une note un peu moins prononcée de citron. Donc voilà, vraiment un bon goût de fraise, enfin fruit rouge plutôt, avec un petit goût de citron, très bon. Franchement, pas mal, pas mal. Bon, on est plus sur une gamme fruitée de. Moi, je pourrais ne pas m'arrêter. Pas mal, vraiment pas mal. Alors pour le sauce à smoke, on va tester ça. Bien sûr, on a une fumée incomparable par rapport à avec le canon, c'est rien à voir. Franchement, putain, c'est deux bons goûts, mais c'est un peu rien à voir. Je vais vous dire pourquoi. Putain, je fume parce que. Oh là là, ça se fume, ça me fait rêver. Alors, sur le social smoke, on ressent plus un goût de. Vraiment, déjà, on ressent vraiment une fraîcheur au niveau de la gorge. Vraiment une fraîcheur qui nous prend la gorge. Un goût vraiment plus frais que Fantasia. Ensuite, au niveau des ingrédients, enfin, du goût. Le citron qui est plus présent que la fraise, vraiment plus présent, ça on a plus un goût de limonade. Après le goût c'est pink limonade, donc normalement ça doit être un Diabolo Grenadine si je ne me trompe pas. Donc voilà, on a vraiment un goût de citron omniprésent avec une fraîcheur vraiment qui prend la gorge. Un goût vraiment de citron avec une petite note de fraise, mais vraiment une petite note. Donc moi, c'est ce que je peux vous conseiller. Donc je ne vais pas vous faire un test de fumée, parce que tout le monde sait faire une chicha, tout le monde sait faire une belle fumée, on ne va pas se casser sur ça. Ce que je vous conseille, c'est si vous voulez un goût plus frais, pour voilà, on est l'été, la coupe du monde, tout ça, vous voulez un goût un peu plus frais, je vous conseille plus le Pink Limonade de chez Social Smoke. Après, si vous voulez une note plus fruitée, pas forcément fraîche, fruitée vraiment plus bonne, enfin, moi je la trouve vraiment bonne, si c'est du Fantasia niveau fruits c'est nickel, donc vous allez sur le Fantasia parce que vraiment niveau fruits c'est nickel, ça a vraiment un goût fruité, donc j'avais dit de fraise avec un petit coup de citron, mais si vous voulez une fraîcheur c'est plus ici que ça se passe sur le Sosa Smoke avec un goût de citron, une petite note de fraise, après ça peut diverger selon les personnes au niveau de l'opinion, donc voilà ce que je vous conseille. Donc voilà le petit test battle de ces deux goûts, que je trouve vraiment pas mal, hein, ils sont pas mal les deux. Donc voilà, n'oubliez pas de liker ma page Facebook, donc Barry Chicha. Ensuite, ça me fait toujours plaisir de vous abonner à ma chaîne YouTube, toujours Barry Chicha, ça n'a pas changé. Et puis, j'ai fait une petite nouveauté sur le site, donc barrychicha.com, ça ne change toujours pas. C'est qu'on va faire sur l'onglet guide, on va vous recenser tous les tabacs, enfin, quels sont les goûts qu'il y a dedans, genre fraise, tout ça, parce que pour le Queen of Sex, pardon, enfin voilà, savoir c'est quoi le Queen of Sex, vous regardez sur le site, vous allez voir, il y a tous les Starbuzz, toute la gamme fumarie, tout ça, on va se mettre au boulot, on va faire un bon truc. Voilà, voilà pour le test des deux trucs, deux bonnes chichas. Sur ce, je vous dis à plus.
On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars. Ou les meufs, ce que vous voulez. Allez, ciao.